Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 27 mars 2021. Fomi Armstrong Sanda Gutirini. Bonsoir Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We are live from our central news desk in Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, some custodians of the Bakwiri tradition in the southwest region of Cameroon say the gods of their land are angry over the continuous detention of Chief Ephraim Inoni, one-time prime minister in Cameroon and traditional ruler of Bakingili. They say the message of the gods of the Bakwiri people is interpreted in the recent outing of an elephant that has been destroying crops in Bakingili and other villages within Buya and the West Coast subdivision of the Fako division. Also in this newscast, a campaign, a wide campaign for vaccination against cholera has been launched in Douala, in the Douala Fo municipality. This is coming shortly after one person got killed and over 10 cholera cases detected in Cameroon's economic capital, even when the country is still fighting against COVID-19. À la une de ce journal, face au chômage galopant des jeunes et le faible niveau d'implication, les plaintes sur le faible niveau d'implication dans la gestion de la vie publique, le gouvernement prône l'auto-emploi en encourageant notamment la création des laveries automobiles. Le gouvernement notamment annonce le financement d'une centaine de projets dans le domaine. La controverse autour du vaccin contre la pandémie de coronavirus plombe les stratégies de vaccination contre le choléra à Douala, alors que de nouveaux cas suspects ont été enregistrés ces derniers jours. Des équipes sont confrontées à une réticence des parents sur le terrain. Lancement officiel a eu lieu ce samedi. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Alors que de nombreux jeunes se plaignent de leur faible implication dans la gestion de la vie publique au Cameroun, le gouvernement prône l'auto-emploi, encourageant la création des laveries automobiles. À la suite d'une convention de partenariat signée à Yaoundé, les pouvoirs publics annoncent la création d'un financement d'une centaine de projets dans le domaine. D'autres précisions dans ce reportage de Aïe Cyril. Selon des statistiques, 10,3% de jeunes de 15 à 24 ans sont au chômage. Et lorsque l'on remonte jusqu'à 34 ans, le taux de chômage est de 8,9%. Parmi les jeunes qui ont la chance de travailler, 70% sont en situation de sous-emploi, c'est-à-dire que leur travail n'est pas décent. Des chiffres qui montrent que la question du chômage des jeunes au Cameroun se pose avec acuité. Face à ce défi, le gouvernement opte pour l'auto-emploi, notamment dans le domaine des laveries automobiles, grâce au projet OWASH. Il s'agit en fait d'accompagner la dynamique d'auto-emploi des jeunes, mais surtout d'être outillé aux techniques de gestion, mais surtout de s'assurer qu'ils jettent les bases de la pérennité en fait de leur micro-entreprise. Le gouvernement encourage donc les jeunes à créer des laveries, mais pas telles que l'on voit de nos jours au bord de la route. Il s'agit de laveries automatiques beaucoup plus sophistiquées. Nous avons créé et nous fabriquons des machines de laverie auto. Donc c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui au Cameroun, vous n'avez plus besoin, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, des car wash, d'aller louer un espace. Et les intempéries que nous avons coupures d'électricité, nous avons pallié à tout ce problème. Donc vous achetez votre kit au wash et les heures qui suivent, vous pouvez déjà commencer à rentabiliser. Sélectionné au sein du plan triennal spécial jeune, les 104 premiers projets qui bénéficieront d'un financement dans le cadre du programme OWASH ont d'ores et déjà été identifiés. Ils seront répartis dans les 10 régions du Cameroun. Le Minigel, en collaboration avec le Minefop et le Minmeza, envisage dans le cadre de ce plan de relance spécial jeune, installer pour une première phase pilote 104 jeunes immédiatement à travers des laveries mobiles au WASH
dans les 10 chefs-lieux de région et les 58 chefs-lieux de département. Dans cette perspective, nous avons estimé qu'il y aurait immédiatement 312 emplois créés. Évidemment, les conditions de travail de ces jeunes ayant opté pour ce métier de laveur mobile innovant amélioré. La signature de la convention de partenariat entre l'État du Cameroun et la société OH Salut, initiatrice du projet, a eu lieu à Yaoundé. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ainsi que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique ont signé pour le compte du gouvernement. Et toujours en économie, dans l'optique de réduire les importations qui pèsent lourd sur la balance commerciale du Cameroun, un financement de 65 milliards de francs CFA pour le développement des chaînes de valeur dans les filières porcine et bovine est annoncé. C'est l'objectif que poursuit le projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture qui vient de tenir son tout premier comité de pilotage à Yaoundé. Le reportage de Marcelin Gansop. Selon les données publiées en avril 2020 par le ministère de l'Élevage, le Cameroun a importé au cours de l'année 2019 un peu plus de 185 000 tonnes de poissons. Si ces importations ont baissé en 2020 du fait de la pandémie de la COVID-19, il n'y a que les chiffres restent préoccupants et impactent notre balance commerciale. Le défi suprême aujourd'hui est d'accroître la production locale afin de réduire significativement ces importations. C'est l'une des missions assignées au projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture. Nous avons fait appel à un partenaire clé qui est le Centre mondial de l'aquaculture et l'IRAD qui vont travailler sur les ressources génétiques qui pourront avoir une croissance rapide et améliorer la production aquacole de notre pays et réduire les importations du poisson. Il en est de même de la production porcine. Nous allons importer des géniteurs de très grande qualité, les multiplier et distribuer aux producteurs. Financé à hauteur de 105 milliards, dont 55 milliards par la Banque africaine de développement, le projet qui vient de tenir son premier comité de pilotage ambitionne de relever la production nationale dans les filières porcines, bovines et piscicoles. Nous allons construire 21 centres d'insémination artificielle à travers le pays et produire près de 15 millions de doses de semences qui vont être injectées et diffusées au niveau de l'ensemble des producteurs nationaux pour qu'on n'ait plus des animaux qui font un veau tous les 2-3 ans, mais des animaux qui font un veau tous les ans et qui, après 2 ans, peuvent déjà entrer en boucherie ou bien entrer en reproduction pour les femelles. En dehors des quantités, l'accent sera également mis sur la qualité des productions. Il ne suffit pas seulement de produire, mais il faut assurer la qualité sanitaire, la qualité hygiénique des produits. Et c'est pour cela que la plupart des partenaires vont intervenir dans les aspects sanitaires, dans les aspects des normes de la qualité. Pour ma part, je mettrai tout en œuvre pour que le projet de développement des chaînes de valeur et pisciculture soit un succès palpable pour tous les acteurs concernés, en particulier et pour le Cameroun en général. Étalé sur 5 ans, le projet logé au ministère de l'Élevage va contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais également à la réduction de la pauvreté à travers la création des emplois ainsi que l'augmentation des revenus des ménages. Et rendons-nous à présent dans la région de l'extrême nord Cameroun. Ils sont nombreux, ces enfants orphelins dont les parents ont trouvé la mort durant les exactions du groupe Boko Haram ou encore en donnant la vie. Et la plupart vivent dans des camps de fortune, dans des conditions extrêmement difficiles. Le reportage de Xavier Foucault, Amadou Daïro. Selon l'enquête démographique de santé 2011, au Cameroun, le ratio de mortalité maternelle est de 782 décès pour 100 000 naissances vivantes. Des chiffres encore plus élevés dans certaines zones comme à l'extrême nord du pays où il y a une forte inégalité dans l'accès aux services de santé. Conséquence, le nombre d'orphelins va croissant dans cette région, également en proie aux exactions de la secte islamiste Boko Haram. Certains de ces orphelins sont recueillis ici à Maroua pour un encadrement conséquent et où ils peuvent poursuivre avec des études. Celle qui est à l'université est arrivée à l'âge de 5 ans. Elle est orpheline des deux parents.
Mais pour la plupart des enfants que l'on a ici, ils sont arrivés à quelques jours après la naissance, suite au décès de leur maman pendant l'accouchement. Et d'autres sont abandonnés, donc on les a recueillis sans aucune souche familiale. Durant des années, ces orphelins suivent un encadrement dans l'éducation pour leur meilleure insertion sociale. Toute chose qui se passe plutôt bien. Être orphelin, ce n'est pas... On ne naît pas avec, mais on devient. Et comme un simple message que je pourrais donner, il faut toujours avoir espoir. Et avec l'encadreur de nos parents, il y a d'abord la socialisation des gens qui nous donne des conseils. Et les autres personnes qui n'ont pas eu la chance d'être comme moi, je leur demande d'être respectueux et d'aller de l'avant aussi, comme moi je le fais. Durant une visite dans cet orphelinat, les femmes dynamiques de Maroua ont non seulement apporté des dons en soutien à tout le travail qui est fait ici depuis des années, mais elles ont également tenu à prodiguer des conseils à ces jeunes filles. J'aimerais bien donner conseil aux filles, aux jeunes filles. Il faut qu'elles continuent les études. Parce que nous avons constaté tout à l'heure, quand elles se sont présentées, il y a des braves filles qui font vraiment des études et qu'elles continuent, l'avenir leur sera meilleur. Les promoteurs, presque à bout de souffle, espèrent davantage des appuis extérieurs afin d'assurer l'encadrement de ces jeunes qui n'ont pas demandé à naître orphelins et qui ne demandent qu'à vivre. Et puisque l'on parle santé, malgré les mises en garde du gouvernement, le respect des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus est un défi pour de nombreux Camerounais. Si le lavage des mains est quelquefois respecté, le port du masque est bafoué. Le gouvernement appelle les usagers de transport en commun, notamment un retour à l'autodorsie. Le reportage d'Innocent Abega, Donald Brice, Cameroun. Point de lavage des mains, cabine de désinfection, prise de température... Distanciation sociale, l'essentiel pour freiner la propagation du coronavirus. Par ce tour du propriétaire dans les transports, les autorités de tutelle veulent vérifier que les Camerounais mesurent le danger que représente la deuxième vague du Covid-19. Toutes les mesures sont prises depuis la cabine de désinfection automatique, au lavage des mains, les prises de température, les distanciations au niveau de l'achat des tickets, et même au niveau des salles d'attente, des salles d'embarquement. Les Camerounais voyageant par voie ferroviaire sont sensibilisés à la nécessité de reprendre urgemment les bons gestes contre la pandémie, même si certains semblent négligents, et notamment pour ce qui est du port systématique du masque. C'est vraiment la difficulté, je l'avoue, que nous avons aujourd'hui, et qui est liée un peu à la, on va dire quoi, c'est plus ou moins la mentalité que les Camerounais ont aujourd'hui vis-à-vis de la pandémie. Il n'est pas question de transiger sur l'application des mesures obligatoires de lutte contre le coronavirus. Il faut amener tous les voyageurs à arborer leur masque pour se protéger et protéger leur entourage. Seulement, il y a des résistances au niveau de certains passagers qui, une fois dans le train, tendent à baisser la garde en enlevant le masque. Mais il est question pour nous d'attirer l'attention de tout le monde par rapport à la dangerosité de la résurgence de la pandémie. La vigilance de tous les instants, c'est le message que les autorités transmettent aux acteurs de transport dans le littoral au moment où le relâchement des mesures barrières a fait exploser le nombre de contaminations au coronavirus. Et plusieurs jours après la détection des cas de choléra dans la ville de Douala, une campagne de vaccination est en cours. Des équipes du ministère de la Santé publique sur le terrain sont confrontées à une réticence des parents à faire vacciner leurs enfants en raison de la controverse autour du vaccin contre le coronavirus. Illustration à Bonassama, dans le 4e arrondissement, où a eu lieu ce jour le lancement officiel de la campagne de vaccination contre le choléra. Le reportage de Robert Mokoubé et Cédric Ding. Lancement officiel de la campagne de vaccination contre le choléra dans la ville de Douala. L'hôpital de district de Bonassama, dans le 4e arrondissement, a fait office de starting block pour les équipes afin de prendre de vitesse la contagion. Ici, un seul mot d'ordre. Je recommande, n'est-ce pas, aux parents de faire vacciner les enfants, d'accueillir favorablement
les équipes de vaccination, tout comme je l'ai fait ce matin. Le vaccin, il est efficace, il marche, il est sûr. Vous nous avez vu prendre le vaccin et nous recommandons aux populations de prendre la deuxième dose parce que pour avoir une protection optimale dans jusqu'à 5 ans, c'est bien d'avoir les deux doses. Quartier Mabanda, toujours dans le 4e arrondissement. Cette partie de la ville a été fichée comme potentiel foyer de contamination avec plusieurs cas suspects détectés. Ici, l'insalubrité règne en maître. Les équipes auront donc fort à faire pour couvrir les 32 km² de superficie de Douala 4e. Une fois sur place, le chef de quartier se prête au jeu pour convaincre les habitants de sa localité. Donc, la population de Mabanda avec son chef, le chef vous montre sa dose de vaccin. J'ai vu l'exemple ici là, on donnait, les gens prenaient avant que j'ai pris aussi, puisque quand on vient, je fuis seulement. On me dit que c'est pour contaminer les gens. Mais je doutais beaucoup. Si pour certains l'expérience a été convaincante, pour d'autres par contre, c'est toujours le refus catégorique malgré les efforts des équipes de vaccination. Je ne prends pas de vaccin. Parce que je ne peux pas attraper le choléra, je ne peux pas prendre de vaccin. Quand je saurai que le vaccin de choléra, je peux prendre facilement, j'irai moi-même payer le vaccin et je prendrai. Cependant, pas de quoi démonter le moral des équipes de terrain qui restent à pied d'œuvre. La campagne s'étendra du 25 au 30 mars prochain, avec pour cible toute personne âgée de plus d'un an. Et pour refermer ce chapitre santé de ce journal, signalons que chaque jour, 3 enfants meurent des suites de cancers dans le monde. Le plus grand nombre de décès enregistrés dans les pays en voie de développement. Ces chiffres sont de la Société camerounaise d'oncologie et pédiatrie réunie à Yaoundé. Des médecins se donnent dans 2 ans pour lever le tabou autour du cancer de l'enfant. Suivons ce reportage de Aï Cyril. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'informations sur Equinox Télévision. La lutte contre les changements climatiques et la pollution de l'environnement préoccupe des jeunes artistes camerounais. Réunis à Douala, ils ont dévoilé une série d'actions en vue de limiter la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des ordures ménagères qui polluent donc l'environnement. D'autres précisions dans ce reportage de Kediara. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'informations sur ce reportage de Kediara. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Fomi Amswansanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. In the English language, we take you straight to the northwest region of Cameroon to see one of the devastating impacts and consequences of the armed conflict that has been rocking the region and also the southwest region. Recently, our correspondent in Bamenda, Mbustela, noted that the price of beef per kilo in markets in Bamenda has increased. The correspondent visited the cattle market in Bamenda to understand better, and the cattle dealers say they are having difficulties getting to cattle markets in interior parts of the region because of consistent and constant attacks from armed individuals. Her report. At the cattle market in Bamenda, the number of cows there on the cattle market day, traders say, has dropped. Before in 2015-16 we have many cows, but now we have shortage of cows. Like now you can see, before we can have 450 cows to 500 cows every week in this market, but now we can struggle to have 150 cows to 200. The over 4 years armed conflict rocking the northwest and southwest regions has negatively impacted the cattle business. Like before, we usually go to Kumbu, cattle market at Takija. But now there is no market at Takija. We are not still going there. But now we usually go to Bafusam Tayandi market at Fumbande to buy and bring in here. Sometimes we go to Acha Bengui to buy. Sometimes we go to Fundong to buy, Konane to buy. But now no way to go to Konane, Fundong to buy. We usually go only to Bengui to buy. A
access to the divisions of the Northwest region reputed for cattle rearing is described as scary. Buyers say they face attacks by gunmen. The most recent is the attack on Wednesday, March 24th in Momo Division. Yakubu Omaru was among those who lost huge sums of money when armed men attacked them at Inquenasa on their way to the cattle market in Acha, Momo Division of the Northwest region. Even yesterday, on our way to the market at Benue, we have a shortage of money because armed robbers attacked us in the way. On the way, collected at least more than 15 million from the buyers. Yes, and lost at least going to 800,000. This has caused scarcity in beef and increase in the price per kilo of meat. And we sell a kilo of meat for 2,500. But because of the insufficiency of the workers, the price up to 3,000. But meat is not the only good that is expensive. Alternatives like fish is also expensive, and the situation might become worse as dealers in cattle are already scared of taking the journey to Acha after the attack. The attack has also been described as the worst so far. Mo Stella reporting from Bamenda, and conflicts in neighboring countries to Cameroon, notably Chad, the Central African Republic, and the Republic of Congo has caused or displaced over 15,226 persons who are now seeking asylum in Cameroon's economic capital city, Douala. This is according to the United Nations High Commission for Refugees, the UNHCR. The UNHCR that gave the information and also said that in order to give them a befitting stay in Douala, the UNHCR is working in collaboration with the Red Cross and the Look and Life organization on a couple of actions, notably first to screen the asylum seekers for COVID-19, to provide them treatment on the side and also provide shelter. They are also hoping to monitor the documents of asylum seekers and consequently see issues like death and birth amongst the persons seeking asylum in Douala. The United Nations High Commission for Refugees says this is in order to better give protection to those seeking to stay in Douala, running away from conflict and insecurity in their different countries, notably the Republic of Congo, the Central African Republic, and the Republic of Chad. And now we come to our major story in this edition of the news, to say that some custodians of the Bakweri tradition in the southwest region of Cameroon say their gods are angry over the continuous detention of Chief Ephraim Inoni, traditional ruler of Bakingili village and one-time prime minister in Cameroon. They say the message of the god could be interpreted from the recent animal, an elephant, that went wild, destroying crops and other things, properties belonging to villagers in some villages within Boya subdivision and the West Coast subdivision, all of the Fakwa division. Details with Davison Mamu from Limbe. Culture and tradition is undoubtedly the true identity of a people. Bakwerians say the Malay secret society dance is what they are left with. An elephant symbolizes power, that's the Bakwerian mind. Manifested annually from one village to another, the rituals performed provide an opportunity for the Bakwerian man to relate with the ancestors. However, their presence at Bakingili is far from the normal annual routine, but catapulted by the recent outing of elephants within the village. I'm doing this traditional dance to appease the elephant which has come in our area doing destruction. The government has tried its own, so we say no, it's not enough. Let's also do this tradition to call other villages to come and assist us so that this elephant can go back. The destruction of crops and attacks on farmers by the elephant, some opine, signifies the gods are angry. They are angry because of the present situation that is going on. Whenever an elephant comes, it's an information that the ancestors are sending to us.
It's a symbol. It's spiritual. It's not ordinary. So much so that we understand the message. It has overdue since Malay rituals was last performed in this village. It has been long since the Malay called communion in the last time we organized the elephant dance for almost 11 years. Not leaving out the long absence of Chief Indoni Ephraim of Bakingili, an influential Malay member. You must remember that the chief of this village, His Excellency Indoni Ephraim, is also a member of the Malay group. And he's somebody who has been very instrumental in the development of the Malay dance. Chief Ephraim Indoni was one of the strongest members in Malay. If Chief Indoni is not in this village, physically, he's here spiritually. With the belief, top Malay members all have elephant potem. My own is with me, and I know where it is. Anybody knows where his own elephant is. Their presence is to appease the elephant, believing after the manifestation and rituals performed in accordance with the Bakure customs, the elephant shall freely move far into the forest. We consulted our ancestors that we should do this traditional dance to appease the elephant. So whatever thing is happening here, they should know. We have come to make sure that everything goes back to normal. From Bukova, Bowasa, Bukwango, Bojongo, Bumbuku, just to mention by these few, some of the groups made a stopover at the palace of Bobende village in Limbetu subdivision, announcing their presence to Chief Daniel Ndive Woka I, who is equally an important member of the Malay sect. The vaccination campaign against cholera has been officially launched in Douala, Cameroon's economic capital city, but not without challenges. Many city dwellers are still skeptical on the vaccination or on accepting the vaccines. They think it is a way by top officials to give COVID-19 vaccines. This move comes as a result of a recent upsurge in cholera cases that saw one person killed already. Recently, report had it that at least 10 cholera cases were detected in Douala. Charles Ekome tells us more in the following report. So during the launch of the cholera vaccine campaign at the Bonasama Health District in the Douala 4 subdivision, the divisional officer of Douala 4, Bodo Eric, alongside other administrators and healthcare workers, were the first people to take the vaccine so as to reassure the population so they don't fear getting vaccinated from a deadly disease, which has already recorded 10 cases and one death. To have an optimal protection, you need to receive 2 doses. So that's why today we are coming to give to the population the second dose so that they are protected for at least 5 years, from 1 year old and above. So it's not for children only, it's for adults, because when we look at the death due to cholera in the past year, it's mostly adults. So we invite everybody to get vaccinated. After the launch of the campaign, several teams were deployed on the field, most precisely in the Bonasama and Mabanda neighborhoods for sensitization. These neighborhoods in the Douala 4 subdivision are said to be the most affected by cholera, reason why they were the focal points of this exercise. People are dying. Last year, 1,800 people were affected by the cholera. Almost more than 100 died because of cholera. Maybe you've never seen a case of cholera. Cholera can kill in hours, just few hours. When you see the vaccine, that can prevent you from going to hospital, from having your child dying, for having one member of your family dying. You should take that before, while making the advocacy that you should have road. I agree with you, you are right. We need road, we need drinking water, but in the meanwhile, we cannot let the population die. That's an interim solution while we are looking for long-term solutions. Despite the hard work put in place by the teams during sensitization, stiff resistance by some inhabitants in the neighborhoods were recorded. We don't need to take medicine for cholera away. Let's date. Look at outside date. Don't I bring John Messi and say, move, take another waiting. No, on a 50 road. I will not still take it. They should fix the road. However, the exercise recorded more success than failures, with so many people heeding to the advice of medical experts by taking the vaccine. Still in health, as the fight against COVID-19 is intensified at the top in Cameroon, at the local levels,
officials are denying responsibility or are trying to shift responsibility in the southwest region of Cameroon. The management response team against COVID-19 in the region say they are no test kit, and the mayors of the southwest region say they do not have money to launch sensitization campaigns against COVID-19 in the region. And the Southwest Regional Delegates of Decentralization, after listening to the mayor, say they are not honest, indicating that money was sent to them. Derek Jato tells us more in this interesting report from the Southwest region. How equipped is the Southwest region to fight and protect her population against COVID-19? We cannot test because we do not have the kits. Which means that a region of plus 1.8 million people is exposed and vulnerable. And it is also disturbing that even the few tested and confirmed positive cases are instead sent back into the community. Right now, we've tested, they are positive, they are out in the community. Nobody stays at home. They are out there infecting other people. And Bernardo Kalia Bilai, governor of the Southwest region, in an evaluation meeting with his collaborators Tuesday, March 23, 2021, revealed that intensified the prevention campaign seemed to be the last resort. But his local collaborators, especially the mayors, told him that the means are not even available for the sensitization campaigns against COVID. These councils, I want to testify, do not have the means as at now to cater for this wave of COVID that is coming in. But the Southwest Regional Delegate of Decentralization and Local Development briefed Governor Bernardo Kalia Bilai that some funds were made available to all the councils in the region to fight the pandemic by his ministry. Ningevel made available some funds to the councils, and the Minister of Health also did the same. But to the best of my knowledge, from the information that I gathered, very few councils, very few mayors have used this money the way it is recommended. Others say the money is still there, they are not using it. I don't know why they are not using the money. But it was surprising that city councils like that of Limbe and Komba were sidelined. This money was only sent to sub-divisional councils and not to city councils. The Komba City Council Mayor Gregory Mewanu says his office has been confronting the pandemic head-on with the little internal means. I personally made sure that there is a provision, of course, at the entrance of our structure, the City Council of Kumba, where everybody is, of course, compelled to have a mask on, to have the possibility of washing their hands. And we bought two machines from France, which are the automatic sanitizer producing liquid. In the market, of course, in Kumba, we make sure we get in there to sensitize the people. The football field, where, you know, it is the general, I would say, tradition that even the players will give themselves a hug every time they score a goal. At the end of the evaluation meeting, Southwest Governor Bernardo Kalia Bilai drew a weekly campaign calendar. All the administration should give a minimum of 3 hours out of the 8 for the fight against COVID. That means from 7 o'clock to 10 o'clock, all the GOs in uniform with their team should be moving around to make sure that barrier measures are implemented. And call on the Southwest population to respect all the barrier measures, for the opportunity to fight against COVID is now that they are still alive. Derek Jato on the limping response to COVID-19 within councils in the southwest region of Cameroon, bringing us to the end of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox.
Television, we thank you for your keen attention. Stay in the company of interesting programs on Equinox Nadine. Have a nice evening. Merci, Fourmi Armstrong, Sanda. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.